Hello les amis, et oui, je suis de retour. Donc, si je me permets de faire cette vidéo, c'est parce que récemment il y a eu des changements au niveau informatique. Donc, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous savez à peu près ce que j'ai déjà en termes de matériel. Mais là, en fin de compte, dernièrement, je viens d'évoluer, voilà, pour un SLI, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos. Le souci est que, en effet, il y a pas mal de monde qui m'ont dit, je vais suivre le conseil, comme quoi mon boîtier Fractal Design était un petit peu petit en fait pour. Je trouve que c'est petit pour ce genre de config au final. Comment dire, même si c'est petit, il refroidit très bien, hein, dans tous les cas. Il a quoi? Il a 2 ans le boîtier. Hein. Voilà. Et puis au final, j'ai opté pour celui-ci. Le Corsair Graphite 780p de toute beauté en fait. Voilà. Je me suis dit quitte à mettre un petit peu le prix, voilà, c'est ce que j'ai pris. Donc là je suis sûr et certain que ma config va rentrer largement. Voilà. Mon water cooling, c'est aussi surtout pour ça. Mon water cooling, je voudrais le mettre en position haute. Voilà, afin de pouvoir remettre des racks pour les disques. Voilà. Donc toutes les photos qui vont suivre après cette vidéo, les premières photos montrent ce que j'ai dans mon boîtier, ce qui va passer dans le deuxième. Voilà, donc toutes les étapes. Je vous laisse en profiter.